Bonjour, je vous ai parlé des droits sexuels. Le droit à l'avortement, ça fait partie des droits sexuels. Le droit à l'avortement, dit-on, et je reconnais que j'ai cru à toutes ces choses-là, vraiment, et je l'ai cru longtemps, le droit à l'avortement a sauvé les femmes, des milliers, des centaines de milliers de femmes, des faiseuses d'anges qui leur trouvaient le ventre. C'est un droit pour les femmes, c'est un droit des femmes, c'est un progrès incontestable. C'est comme ça qu'on dit. En 1971, j'avais 21 ans, 343 femmes ont publiquement signé un manifeste disant qu'elles avaient pratiqué un avortement. C'était à la suite de Simone de Beauvoir, l'écrivain, qui a écrit « 1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération pratiquée sous contrôle médical est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles, je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. On les a appelés, pour s'amuser, les 343 salopes, par dérision, pour rigoler. Aucune de ces 343 femmes ne sera poursuivie. Quelques années plus tard, la loi Veil, Simone Veil, dépénalisait l'avortement, c'est-à-dire obtenait du Parlement français une loi dépénalisant l'avortement, sous la condition qu'il soit pratiqué au maximum à 10 semaines de grossesse. Ce délai a été porté à 12 semaines par Martine Aubry en 2001. Avorter, c'est un droit, c'est mon droit, dit-on. Voyons ça. L'avortement, ça fait partie des droits sexuels fondamentaux. On le trouve partout dans la Déclaration des droits sexuels. Or, les droits sexuels, comme je vous l'ai dit, séparent la sexualité de la reproduction et la reproduction de la sexualité. Il est dit dans la Déclaration « Aucune femme ne sera condamnée à une maternité forcée pour avoir exercé sa sexualité. » Si ce n'est pas l'expression de la haine de la maternité et de la vie, qu'est-ce que c'est d'autre ? L'avortement est devenu un droit opposable, comme le logement, comme la nourriture, et comme le reste. Être enceinte est devenu une calamité qu'il est interdit d'imposer à des filles totalement libres qui couchent avec qui elles veulent. L'avortement n'est plus seulement un droit, c'est devenu un bienfait, un progrès. Écoutez ça. Pour diffamer la Russie, vous avez en Russie actuellement des médias occidentaux qui distillent une information diffamatoire sur le régime russe et qui ont écrit un jour que quand le patriarche Kirill a signé une déclaration pour que les avortements ne soient pas payés par l'État, ce qui est quelque chose de très précis, ces médias ont dit « le patriarche Kirill interdit les avortements en Russie », ce qui est faux, et il concluait « les femmes russes seront forcées d'accoucher ». Forcées d'accoucher. En France, l'avortement est devenu une priorité nationale. Comment je le sais ? J'ai été en possession d'une lettre envoyée par un réseau périnatal à des sages-femmes pour leur proposer une formation à l'IVG médicamenteuse. Il est écrit dans cette lettre « L'amélioration de l'accès à l'IVG, notamment en ville, étant une priorité nationale. » Une priorité nationale. L'avortement est maintenant périnatal et il est devenu prioritaire. Depuis quand ? Eh bien, on trouve une instruction envoyée par le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, datée de juillet 2015, envoyée aux agences régionales de santé, dans laquelle il est dit « Les réseaux de santé en périnatalité doivent être des acteurs au service des priorités nationales définies dans le domaine de la périnatalité. » L'IVG fait partie de ces trois objectifs. L'IVG, c'est-à-dire l'avortement, n'ayons pas peur des mots. L'IVG, c'est un euphémisme, disons l'avortement. La loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 a élargi les compétences des sages-femmes à la réalisation des IVG médicamenteuses. C'est-à-dire que le métier de sage-femme, qui a consisté jusqu'à récemment à accoucher les femmes, devient maintenant le métier qui consiste à leur permettre de tuer le fœtus qu'elles portent. On va vouloir l'avortement pour toutes, égalité, égalité. La loi permet à toute femme enceinte, y compris mineure, qui ne veut pas poursuivre une grossesse, d'obtenir un avortement. Écoutez l'hypocrisie de cette loi. Il est dit à des jeunes filles mineures,
vous pouvez choisir de demander leur consentement à l'un de vos parents ou à votre représentant légal et ainsi être accompagné par un de vos proches dans votre démarche. Cependant, si vous voulez garder le secret vis-à-vis de vos parents, l'IVG et les soins qui y sont liés seront pratiqués à votre seule demande et l'IVG sera prise en charge à 100% sans avance de frais. C'est-à-dire, mademoiselle, vous voulez demander la permission à votre papa qui vous la refusera, vous avez le droit. Mais si vous n'avez pas envie, vous avez le droit également. L'avortement va être prôné à l'école. L'école fournira une éducation à la sexualité et non plus une éducation sexuelle. Nous y reviendrons dans une autre vidéo très prochainement. Et les enseignants qui ne sont pas formés vont devoir obtenir une formation pour pouvoir dispenser ce savoir. Et le ministère de l'Éducation nationale a prévu pour ses professeurs, je cite, « l'acquisition de compétences et d'actions de formation sur la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes, je ne sais pas si on a prévu de faire avorter les hommes, je ne sais pas, mais aussi sur l'éducation à la santé. » Et vous savez de quelle santé on parle ? On parle de la santé sexuelle. Donc, par qui va être dispensée cette formation ? En direction des maîtres, qui ensuite la dispenseront en direction des élèves. Eh bien, le ministère a des centres qui s'appellent respectivement le Centre de Planification et d'Éducation Familiale, le CPEF, ou alors des établissements d'information, de consultation et de conseil familial, EICCF. Ces deux établissements, comme leur nom l'indique, sont donc compétents en matière de planification familiale, d'éducation familiale, de conseil familial, bref, de choses qui ont à voir avec la famille, c'est dit. Eh bien, c'est un mensonge. Ces deux organismes, quand vous tapez leur sigle sur Internet, vous renvoient directement sur le site ivg.gouv.fr, le site du ministère dévié à l'avortement, tout l'avortement, rien que l'avortement. Aujourd'hui, à titre tout à fait officiel, planifier, éduquer et conseiller une famille consiste à tuer les bébés à naître. C'est le ministère qui le dit. L'énoncé des droits sexuels parle également de droits reproductifs. Nulle part n'est inscrit le droit de donner la vie et de faire des bébés. Nulle part il n'est question d'offrir à des jeunes filles ou à des femmes qui se retrouvent enceintes sans l'avoir voulu, de mener à terme leur grossesse et de les aider à élever leur enfant. Cette solution est d'emblée exclue, elle n'apparaît nulle part. Pire, dénoncer ces droits comme relevant d'une culture de mort va peut-être bientôt relever du pénal. Laurence Rossignol, ministre des Familles, parce qu'avant on disait la famille, maintenant il y a les familles homoparentales, ça, on est obligé de mettre un pluriel à la famille. Donc ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, veut élargir le délit d'entrave à l'IVG au site internet qui diffuse des informations, je cite, « biaisées » sur l'avortement dans le but de dissuader les femmes d'y recourir. Il va relever du pénal d'expliquer à une femme enceinte qu'elle peut éventuellement ne pas avorter. Va-t-il tomber sous le coup de la loi de dire aux filles d'attendre l'amour pour faire l'amour et d'élever avec l'élu de leur cœur le fruit de leur passion ? Je vais vous parler de moi. J'ai fait l'expérience il y a bien des années, une expérience très douloureuse de vouloir mener à terme une grossesse non désirée. J'ai cherché de l'aide pour mener cette grossesse à terme et surmonter tous les problèmes que cela posait. Et c'était incommensurable. Voilà ce qu'on m'a proposé. J'avais le devoir d'avorter pour ne pas imposer la vie à un enfant qui ne me l'avait pas demandé. J'avais le devoir d'avorter pour ne pas gêner mon entourage. J'avais le devoir d'avorter pour ne pas imposer un enfant à un homme qui n'en voulait pas. J'avais le devoir d'avorter puisque j'en avais le droit. L'avortement n'était pas un droit, c'était devenu une obligation morale, dans laquelle la liberté de la femme ne se trouve nulle part. Les pouvoirs publics font à l'école la promotion du vagabondage sexuel et l'avortement qui en découle. Qui promeut l'avortement depuis des décennies ? Une organisation criminelle peut-être ? Eh bien écoutez ça. Le planning familial, qui fut vraiment à l'origine de la contraception et de l'avortement, et de la campagne pour l'avortement, dit de lui-même, j'ai trouvé ça sur leur site, «
Créée en 1956 sous le nom de Maternité Heureuse, l'association réunissait des femmes et des hommes bien décidés à faire changer la loi de 1920 qui interdisait l'avortement, ainsi que l'utilisation et la diffusion de tout moyen contraceptif en France. En 1960, l'association devint le Mouvement français pour le planning familial, MFPF, dit le planning familial, qui a adhéré à l'International Planned Parenthood Federation, le fameux IPPF, dont je vous ai parlé, qui a publié ses fameux droits sexuels. En juillet 2015, c'est-à-dire l'année dernière, des journalistes ont obtenu un rendez-vous pour piéger le docteur Deborah Nukatola, médecin à l'IPP américaine, c'est-à-dire le planning familial américain. Ils se sont fait passer pour des acheteurs de fœtus. Et le docteur leur a expliqué, sans savoir qu'elle était filmée, tous les détails par lesquels, comment on prélève par vivisection des organes sur des fœtus, bien évidemment encore vivants, et quelquefois à terme. Le docteur Nakutola a dit dans cette vidéo, on vous mettra le lien, que chaque avortement rapportait $500 au planning familial, en produits dérivés, dirions-nous. Indignés, des associations contre l'avortement ont demandé le gel des subventions publiques au planning familial. Eh bien, Barack Obama s'y est opposé. Il a dit non. Et la procureure chargée de l'enquête, Madame Lauren Reardon, était membre du bureau du planning familial. C'est un cas typique de conflit d'intérêts qui aurait justifié qu'on la récuse, mais elle n'a pas été récusée. Et le planning familial américain continue de recevoir une pluie de subventions publiques pour continuer de pratiquer des avortements. Cécile Richard, qui est PDG de l'IPP américain, touche par an $590 000. Avec quoi? Avec les subventions publiques ou avec l'argent du trafic de fœtus? 87% des salariés du planning familial américain touchent plus de $100 000, c'est-à-dire 8 000 euros par mois. 37% d'entre eux touchent $200 000, c'est-à-dire 16 000 euros par mois, et 13% d'entre eux touchent $300 000, 24 000 euros par mois. Vous savez avec quoi est fait le collagène dont on se sert pour faire les crèmes de beauté? Eh bien, le collagène, substance irremplaçable de l'industrie cosmétique, se prélève à chaque avortement. Pour avoir une belle peau, on utilise des fœtus. Est-ce que les femmes et les filles qui avortent ont une notion de ça? Est-ce qu'elles le savent? Si elles le savent, est-ce qu'elles sont d'accord? Et est-ce qu'il va tomber sous le coup du délit d'entrave à l'IVG de le leur dire? Figurez-vous que l'avortement est devenu une grande cause mondiale au cœur des droits sexuels, une grande cause à laquelle Madame Hillary Clinton avait adhéré et elle s'était dite indignée, elle avait fait une campagne virulente parce que Donald Trump, lui, avait dit qu'il était contre l'avortement. L'avortement rapporte des fortunes à des trafiquants d'organes et à l'industrie cosmétique qui affiche toute honte bue sur ces produits qu'ils ont été non testés sur des animaux. Donc la morale est sauve. En 1973, j'ai vu un film qui s'appelait Soleil Vert, et qui a été un véritable cauchemar, j'en ai pas dormi de la nuit. Dans une Amérique surpeuplée et misérable à la nature dévastée, on voyait, on comprenait qu'on faisait manger les vieux par les jeunes. Eh bien, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est encore pire. On tue les jeunes pour faire jouir les vieux. Et on prétend que c'est pour l'amour des femmes. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Quand elle s'est présentée à l'Assemblée nationale pour faire voter la loi qui porte son nom, Madame Simone Veil a déclaré « Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. » Fin de citation. J'aimerais savoir ce qu'elle en pense aujourd'hui.